moteur. Les petites enfants. Action. Jean-Pierre. Tu travailles pas bien à l'école. Et tu fais le clown, tu fais mal tes devoirs parce que moi, quand je dis qu'il faut faire des dictées, t'as même pas une bonne réponse. Après, au lieu que ça soit toi, je vais convoquer pas toi mais tes parents. Oui. Bientôt. Ok. Monsieur et Madame Ridoux. Votre fils ne travaille pas bien. Il embête ses camarades qui travaillent. D'accord, mais là vous vous moquez carrément de moi parce que la semaine dernière, sur son cahier, j'ai vu un 10 sur 10. Oui, c'est moi qui l'ai mis, mais il paraît qu'il a recopié sur son voisin. Il peut pas recopier parce que y a toujours un mur entre les élèves, à moins que son voisin l'ait cassé pour qu'il triche. Mais normalement, il ne triche jamais, alors arrêtez de dire des bêtises. On peut pas bien le faire travailler. Il reste toujours au centre de loisirs. Le centre de loisirs, il ne fait que jouer à la console, aux jeux vidéo. Il regarde la télé. Il joue même pas aux jeux de maths. Même pas aux mémories pour qu'il apprenne bien. Il joue à rien. Je pense qu'il faudrait qu'il rentre au but. Parce que là, c'est un très bon élève, mais il n'est pas très fort. Il fait de nous. Il est trop sage, notre enfant. Alors arrêtez de l'insulter. Je vous ai dit, chut. Il ne travaille pas bien, il ne travaille pas bien. Bon ben, il est temps de se dire au revoir et je vous raconte pas mieux à la fin.